Présenter la Renault Clio. Elle a fait un sport, comme vous pouvez le voir. On va voir le moteur, Martin. Oui. Alors, qu'est-ce que tu disais, Martin? Le moteur, c'est un moteur quoi? Essence. Ah, ok. On va le faire démarrer, alors. Oui. Ok. Ça ronronne, hein? Oui. Allez, Martin, c'est toi qui allume. Allez. Yeah. On va mettre la clim, allez. Peut-être à tout à l'heure. Ouais. Ceinture, tu as ta ceinture? Ouais. Frein manuel. Avec la radio. Éteins la radio. Elle est confortable. Et toi, conduire? Elle est très souple. Par contre, évidemment, j'ai l'habitude de conduire dans la Citroën Berlingo et du coup, je suis plus haut et donc ma vision est plus basse sur la route, donc ça change pour moi. Mais non, elle est bien. Le seul petit reproche que je lui ferai par rapport à une voiture comme la mienne, comme la Berlingo, c'est la visibilité. À l'arrière, c'est pas top. Mais devant, c'est parfait. Par rapport à la Berlingo, donc. Oui. Mais la qualité est mieux, c'est Renault. Hein. Mm-hmm. On a senti ça tout à l'heure. Moi, ce que j'aime bien, c'est Renault, c'est que. C'est pas une clé. Ah oui, c'est un. Bah, t'as vu, dans le démarrage, il a fallu quand même l'insérer dans la fente. Cette petite plaque. T'as dû. Je sais pas, il y a des voitures, je crois, où tu dois oui, même pas. T'as pas l'option. Ah oui. C'est une option et que tu n'as pas sur cette voiture. Comment tu te sens assis dedans? Bien. Faire un peu hurler le moteur.
avoir maintenant pour le la tenue de route virage. Pas mal, hein. Par contre, je remarque au niveau de la des reprises, je suis à fond plancher là, tu vois, en montée. J'ai pas regardé. Bon, c'est une petite, c'est un petit chevaux à mon avis, hein. Oui, comme c'est une voiture que t'as en prêt. Ouais. Tu m'as pas donné. Ouais, la clim marche bien. C'est une clim manuelle, hein. Elle est un peu basse pour moi. J'aime bien être un petit peu plus haut sur la route. Au niveau du fauteuil, c'est pas mal. Elle est plus enveloppante que la... Je tiens mieux pour le fauteuil. Oui, tu tiens bien toi. Pas prévu. Voilà. Tiens, la clim ne fonctionne plus, mais on l'avait éteinte. Elle a pas combien de kilomètres? Alors, 5245 kilomètres. Je me demande combien ça coûte une petite voiture comme ça. Le niveau un peu horizontal. Oui, ça je l'aime bien. C'est autre chose que la berlingue. Oui. Oui.
j'aime bien aussi, c'est l'espace devant. On se sent pas oppressé parce qu'elle est pas très grande en fait au niveau de l'habitacle. Ça reste quand même une petite voiture. Et on n'a pas cette impression d'être encaissé, tu vois. Bord sympa pour les lunettes, le petit mouchoir. Les beaux rendements, il y a ce qu'il faut. Un petit dévidoir, un petit ici. Ouais, au niveau de la reprise, on sent que elle est un peu poussive, hein. Elle n'est pas nerveuse, hein. Elle n'a pas beaucoup de chevaux pour tirer. Pour les caca d'insectes. C'est bien, ça fait pas. J'ai l'impression que j'étais encore en 4ème. On va sortir ici. Hop. Voir aller comment? Je ne sais pas, j'ai pas dû mettre d'essence encore dedans, comme c'est Martine qui l'a conduit. Moi, c'est la première fois que je la conduis, hein, avec toi. Je la découvre avec toi. Ça va, c'est pas trop tape-cul. Comment tu la trouves au niveau amortisseur? À gauche la petite rue ici, ouais. Et la rue Perret. Et à droite l'église, c'est là où on s'est marié avec Martine. Derrière. Et la maison, elle est juste là derrière le buisson. C'était la voie.
Et nous sommes sur le retour. On va arriver à Walibi. Bien, franchement, je trouve que vraiment pour une petite voiture, je te dis, je me sens assez à l'aise dans la voiture. Au niveau conduite, bah, elle manque vraiment de pêche, quoi. La position volant, fauteuil, enfin le design, j'aime bien l'habitacle, j'aime bien son design, j'aime bien ce qu'elle propose, c'est simple, c'est efficace. Au niveau rangement, tout ça, au niveau confort, c'est impeccable. Au niveau tenue de route, conduite, elle mériterait d'avoir un petit peu plus de pêche, même carrément un peu plus. Au niveau des nuisances sonores, parfait. On n'entend pas beaucoup le moteur. Bon, c'est un essence, donc pas non plus un diesel, mais c'est agréable. La visibilité, moi j'ai l'habitude avec la Berlingo d'avoir une bonne visibilité, évidemment. Et toi, tu es plutôt positif? Ouais. Positif. Tour sur le rond-point, ça va tourner sur la droite pour avoir un petit test au niveau de la tenue de route. C'est pas mal. Notre joli rond-point du Blanry qui a été fleuri. Tu veux qu'on essaye de la monter? Oui. Pourquoi? Alors, je suis en seconde. Le démarrage est un peu dur, hein. Après, évidemment, ça va, mais... c'est le plus petit moteur hein, qu'il y a là. Regarde là, je suis en troisième, je suis à fond de balle. Hein. Donc pour monter là, il faut vraiment que je descende en seconde. Là, je suis à fond de balle. Vous savez? Pas beaucoup d'accélération. Hein. Donc c'est vraiment un... un veau. C'est un veau, on est d'accord. Mais un joli veau. En descente, ça va tout seul.
Non, pas fort. Oh putain.